En fait, ce sont des costumes traditionnels que beaucoup de gens ont comme cadeau pour leur communion à 15 ans. Et bah, ça représente différentes parties et régions de la Norvège. Donc, bah, comme vous voyez, ils ne sont pas du tout pareils. Et c'est parce qu'on bah, ne vient pas de la même région en Norvège. Fêtes et au casse-mou comme ça, les cérémonies un peu officielles, oui. Le baptisme, oui. Voilà. Le mariage et le 17 mai qui est le jour national. C'est vraiment très très cool parce que bah, on la voit pas souvent et en plus c'est une femme que je pense que la plupart de la Norvège respecte beaucoup parce que voilà. Elle a l'air très gentille et tout, donc...